Tu voudrais devenir maître Pokémon. Tu es prêt à tout pour qu'enfant que j'arriverai au bout du parcours. Je trouverai la force et le cran. Je ne ferai pas demi-tour, même si le risque est grand. J'ai réussi à maîtriser tout ton chemin. Les Pokémon que j'ai croisés, je détiens le pouvoir dans ma main. Nous vivons dans un monde de Pokémon. Et chaque jour qui passe est un défi à relever. Nous vivons dans un monde de Pokémon. Et pour gagner, je dois prouver que personne ne peut m'égaler. Tu es prêt à devenir maître Pokémon. Tu es prêt à tout pour qu'enfant. Salut à toutes et à tous, c'est Galius et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour ce 10e épisode. Normalement, nous serons lundi. Je sais pas combien, mais lundi. Alors, on va continuer cette aventure sur Pokémon Ash Gray. La dernière fois, j'avais complètement oublié. Enfin, c'est pas que j'avais complètement oublié, mais en fait, quand j'avais téléchargé les épisodes de la saison 2, il y a un épisode que j'avais pas en français, c'était l'épisode 19. Et c'était l'épisode avec ces deux-là. C'est pour ça que je comprenais pas en fait qu'est-ce qu'ils venaient faire là. Mais en fait, ces deux-là, ces deux dresseurs, recherchent leur Pokémon Nidoran et Nidoran femelle. Donc il va falloir les chercher dans la forêt. Voilà. Alors, et après on passera donc à l'épisode d'après. Normalement ça sera le badge. Le badge, mince. Le badge de Rudy. Alors je sais plus le nom, Pikoki je crois. What? Ah d'accord. C'est sûrement un bug. Donc il va falloir rechercher d'abord ces Nidoran. Alors je lis vos commentaires. Je lis vos commentaires un petit peu quand même sur la série. Enfin, un petit peu. Je lis tous les commentaires que vous avez laissés. Surtout ceux de cette série-là. Ok. Et c'est vrai que il y en avait un ou deux ou plusieurs qui faisaient la remarque. Ils disaient que le jeu était quand même moins travaillé par la suite. Les épisodes étaient moins recherchés. Alors, c'est vrai. C'est peut-être vrai pour certains trucs. Mais pas. Enfin. Putain, mais ils sont où? Dans la saison 1, il y avait aussi des épisodes qui étaient quand même assez bâclés, je trouvais. Oh, 18h30, qu'est-ce qui se passe? Mince. Donc, oui, c'est vrai, peut-être. Ah, bah tiens. Alors, je sais pas s'il faut en fait les capturer comme ça. Écoutez, on va en capturer. Je sais plus si la dernière fois j'en avais capturé un. Oh, zut! Ah, le problème c'est que voilà, il va ressortir évidemment. Non, c'est bon, ok. Alors attends, on va faire un truc. Pokédex. Kanto. Comment il s'appelle? Nidoran, hein. Nidoran, c'est Nidoran. Nidoran mâle. Non, je l'ai pas. Ok. Donc on va chercher Nidoran femelle. Si c'est ça qu'il faut faire, je suis pas sûr à 100%, mais. On va voir, hein. Je sais pas trop. Donc oui, certains épisodes sont peut-être moins travaillés que d'autres. En tout cas, le dernier épisode de cette saison, enfin pas le dernier épisode de cette saison, mais de la version bêta, ça sera, qui est actuellement quoi, ça sera le film 2. Le film 2, donc cet épisode, ça sera un épisode en série, hein, comme j'avais fait pour le film 1, donc je m'appliquerai pour faire un épisode très travaillé, avec des musiques du film, des musiques japonaises, voilà, c'est bon. Donc voilà, je m'occuperai de faire un épisode assez complet et puis on. Voilà, ça compensera un petit peu les. Non, mais là je vais les défoncer si je fais ça. Ça va compenser un petit peu les épisodes qui sont plus ou moins bâclés. Allez, j'ai stoppé Nidoran. 1. Aïe. Et ouais, je peux pas l'attaquer là parce qu'il est trop. Il est trop faible. Je vais me faire défoncer. Ah non, attendez. J'ai donné Nidoran femelle dans l'équipe. Ah, j'ai une Nidoran femelle, hein. Peut-être la faiblir comme ça. On va l'amener. Voilà. On va faire morsure. Encore. Encore, allez. Oh, le truc trois fois. Quatre fois d'affilée. Incroyable. Du jamais vu. Paralysé quatre fois d'affilée. Allez, c'est bon. Ok, donc on a Nidoran femelle et Nidoran mâle. On va leur donner deux pseudos. Hop. Ok.
qu'on va aller les voir. Je sais pas si ça a marché d'ailleurs. je pensais que c'était des Pokémon un peu à part entière qu'il allait falloir chercher. Alors oui, l'épisode d'avant était assez court. Pourquoi ? En fait, moi, il m'a duré une demi-heure. Mais avec tous les bugs que j'ai eu, à la fin, je vous dis, j'étais un petit peu fatigué. Enfin, déjà, je tournais l'épisode assez tard. Hein. Mais ça m'avait un petit peu saoulé. Et avec toutes les coupures que j'ai faites, bah, l'épisode a duré un quart d'heure. Voilà, mais à la base, il durait une demi-heure. Mais bon, il y avait plein de trucs qui n'étaient pas intéressants. Des bugs, alors je recommençais. Donc bon, voilà, c'est pas... Et c'est vrai qu'après, bah, j'avais quand même fait pas mal d'épisodes au final. Alors, 1, 2, 3 épisodes, il me semble. 3 épisodes dans un épisode. Oui. C'est... Non. Oui, non, d'accord. C'est l'autre, je sais. C'est pas lui ? J'ai pas capturé pour rien. Ah non. Mince, je les ai capturés pour rien. Ah mais peut-être qu'il fallait d'abord leur parler. En fait je l'ai fait mais vu qu'il y a eu tellement de bugs j'ai recommencé et... Ah, je les ai capturés pour rien. Ah ça se trouve, vous savez les trucs qui bloquaient. Allez, si ça se trouve c'est ça. C'était ça. Genre ils étaient cachés. Là, non. Ah non, je pensais. Ah ils sont là. C'est Tony et Maria. On dirait qu'ils jouent ensemble. Est-ce qu'ils seraient amoureux? Oh. Tony, Maria, qu'est-ce que tu fais avec ce... Avec son Nidoran? Et qu'est-ce que tu fais avec son Nidoran? Ah bon, son, his et her, voilà. Masculin, féminin. Yumin, tu veux dire que mon Tony est amoureux du Nidoran d'Emily? Et mon Maria est amoureuse de Nidoran de Ralph? Eh bien, je crois que s'ils sont amoureux, nous ne pouvons pas supporter. We can stand in the way. Nous ne pouvons pas les en empêcher, quoi. J'ai pas envie que mon Maria. Je ne veux pas que mon Maria soit malheureuse. Donc, si c'est ce qu'elle veut, bah, je crois que ça peut le faire. Après tout, nous ne pouvons pas battre l'amour. Oh, le pouvoir de l'amour a fait évoluer Tony et Maria. Et la deuxième évolution de Nidoking Nidoqueen. Waouh, qui savait que l'amour pouvait être aussi puissant? Je crois que l'amour les a rendus plus forts. Merci de nous avoir aidé à trouver Tony, Sacha. Je n'aurais jamais pu voir à quel point ils étaient heureux si tu ne m'avais pas aidé, plus ou moins. Oui, merci de nous avoir aidé à nous montrer la vraie... d'avoir rendu nos Pokémon vraiment heureux, quoi. L'amour les a rendus plus forts que jamais. Eh ben écoutez, il n'y a pas de souci, les amis. Emily et Ralph. Alors, est-ce que je peux vous retrouver? Est-ce que vous me donneriez un petit truc? Je vous cache pas que j'ai quand même capturé deux Pokémon. Je n'aurais pas dû capturer. Tiens, prends ce... Ah, super. C'est... Bah oui, bah tu me l'as pas donné. Prends ce... Je sais plus comment ça s'appelle. C'est un pic poison, je crois, en français. Il me dit prends-le, mais il me le donne pas. Oh, mince, c'est un bug. Tiens, prends ce... Ah, d'accord, c'est elle qui le donne. Très bien. D'accord, merci. Ouais, c'est pour le Pokémon poison. Bon, ça... Regardez, j'ai trop peur d'un bug. Hop là, voilà. Alors, on va les soigner. Et on va relâcher Nidoran et Nidoran femelle. Parce qu'on n'aurait pas dû les attraper. Je vous disais que c'était un peu étrange quand même que on doive capturer ces Pokémon là. Pardon. Alors, Nidoran femelle, relâché. Voilà, et relâcher. Et relâcher. Alors, hop, on récupère Bracofeu. Voilà. D'ailleurs, oui, c'est vrai que l'épisode du roucarnage où il le lâchait chez encore ou coups.
C'est que vous m'aviez dit que, que au carnage il partait. En fait, il évoluait, il me semble, dans le dernier épisode de la saison 1. Bon, j'ai pas pu le faire, malheureusement. Bon, on va se retrouver dans la deuxième partie. Bah voilà, je vais devoir aller dans l'autre partie de l'île Mandarine. Donc à tout de suite. Voilà, c'est bon. Donc on se retrouve ici. Vous vous en souvenez, on avait fait l'épisode avec le Bulbizarre, le maire qui cachait son Bulbizarre dans les égouts et qui voulait justement fermer les égouts. Un maire très malhonnête. Bon, en tout cas, on a réussi à déjouer son plan. Oui, s'il te plaît. Merci, voilà. Il ne sera pas réélu cette année. Donc, maintenant, on va continuer. Alors, est-ce qu'il faut passer par là? Ah oui, donc tu veux voyager vers les îles Trovita? Oui. À l'abordage! Non, je rigole. Tous à bord. Hé, hey, s'il vous plaît, aidez-moi! Accroche-toi, je vais t'aider. Oh, c'était un... That was a close call. Ça s'appelle proche? Non, je sais pas ce que ça veut dire. Ah oui, oui, c'est Sacha qui parle! Bref, à mon avis, je pense que c'était juste ou un truc du genre. What are you doing out there? Qu'est-ce que tu faisais là-bas? Ah bah, je suis en train de nager près de la plage, mais l'océan m'a repoussé. Enfin, voilà. Je trouve plus le mot. Tu sais, quand vous faites enrouler dans une vague ou un truc du genre, là. Bref. tu dois faire attention dans l'océan. Les courants peuvent être dangereux, donc... Ouais... Nage avec les autres, enfin, essaie de nager avec des gens autour de toi, quoi. Marie! Ah, ça fait Marie! Marie, non, mais en français, il me semble que c'est M-A-R-I-E, enfin, en français. Dans l'épisode, en français, à moins que eux, ils l'ont écrit comme ça, c'est bizarre. Bon, peut-être qu'en anglais, c'est écrit comme ça. Dans le jeu, hein, pas en vrai. Marie, enfin, en anglais, c'est avec un Y. Ne va plus jamais nager seul. Je ne le ferai plus. Et en fait, j'ai regardé l'épisode, donc nous avons en face de nous, enfin vous verrez qui c'est, mais normalement tout va se dégoupiller. Je suis vraiment... Je vous remercie énormément. Hein. Je ne peux pas vous remercier suffisamment d'avoir sauvé ma sœur, quoi. En gros, je ne vous remercierai jamais assez. Est-ce que je peux vous demander votre nom? Je m'appelle Ondine. Ondine, c'est stupéfiant. Ondine, from the way you saved my sister. La manière dont vous avez sauvé ma sœur, il est clair que vous êtes un dresseur Pokémon excellent. Je serais vraiment très heureux et très grateful. Gracieux, mais bon, ça se traduit pas vraiment comme ça, plein de grâce. Enfin, honoré et heureux. Si vous pouviez rester ici pendant un petit moment et instruire les dresseurs, enfin apprendre, instruire les dresseurs dans mon humble arène. Votre arène? Vous voulez dire que vous êtes le... Oh putain, je veux que ça marche pas. Le champion d'arène de l'île Trovita? Attendez, je vais chercher juste en français ce que c'est. Ok, donc c'est l'île Tartofou. Voilà. Donc vous voulez dire que vous êtes le dresseur, le champion de la reine de l'île Tartofou? Oui, ça vous choque? Je suis Sacha et je suis ici pour gagner la Ligue Orange, le badge de la Ligue Orange. C'était pas très poli d'interrompre une conversation privée. Tu es vraiment quelqu'un de... Tu es vraiment vulgaire. Moi? Mais c'est toi qui es vulgaire. Pas vulgaire, c'est redit. Ouais, en gros, c'est un jeu de mots. Ouais, c'est toi qui es vulgaire. Non, moi, je m'appelle pas vulgaire, je m'appelle Rudy. Ouais. C'est Rudy en français également. Naturellement, je serais heureux d'accepter ton défi. Pour aller dans mon arène, tu dois naviguer dans la rivière du Tartofou. Ondine, it would give me great pleasure. Ça me ferait vraiment plaisir si tu me rejoignais dans l'arène. S'il te plaît, dis oui. Ok, je te vois à l'arène, Sacha. Ah non, c'est Rudy qui a dit ça, pardon. Ok, donc c'est ça la rivière. Ah, il va falloir monter par là, très bien. Je regarde un petit peu comment c'est fait. On va re-sauvegarder au cas où il y a un bug. Bon, de toute façon, j'ai pas perdu de PV là pour l'instant. Et on est à un quart d'heure de vidéo. Bon, il y aura des coupures parce que voilà, j'ai abrégé. Ok, donc il va falloir monter par la rivière, bah, si tu veux. C'est ça le défi. Excuse-moi, mais c'est pas si compliqué que ça. Alors, j'ai regardé l'épisode et j'ai vu avec quoi il se battait. On va peut-être pas le faire. Ah, mais on n'a pas le choix de passer par là. Ah oui, d'accord, on n'avait pas le choix, ok. Il se bat genre avec Carapuce contre Staros. Ça, vous savez, c'est le truc où... Quoique, je peux le faire. Parce que il a morsure. On peut essayer. Ok. Je me casse.
Non, on va le faire dans l'ordre quand même. Alors, vous imaginez que ce garçon a essayé de séduire, enfin, est tombé sous le charme d'Ondine. Pour notre match d'arène, nous aurons 3 combats et nous pourrons utiliser les mêmes types de Pokémon. Ah d'accord, nous utiliserons les types électriques, plante et eau pour notre combat. Ok, donc on dit, il m'a dit, voilà, électrique, plante et eau. Donc on va virer l'eau classe et diable. Donc, on va les déposer, sinon il m'a dit c'est forfait. Déclare forfait et voilà, tu me parles plus. Donc on va déposer lui et lui. Donc est-ce qu'il faut les mettre dans l'ordre? On va les mettre dans l'ordre, je sais plus exactement. Mais... Donc il avait dit, il me semble, d'abord électrique, plante et eau, me semble. Je ne peux pas le croire. Rudy m'a demandé de rester ici avec lui et Marie. Je ne sais pas ce que je devrais faire. Ça a l'air d'être un chouette gars. Tu veux savoir un secret? J'ai toujours voulu avoir une grande sœur. Comme Ondine. Je suis la seule fille de cette arène. J'aurais aimé que Ondine soit ma grande sœur et qu'elle reste ici pour toujours. Sil. C'est mignon. Ok. Bon, on va essayer de faire ça. J'espère qu'on va gagner. Je regarde un peu ce que j'ai. J'ai un soda pop. Pas racheter grand chose. Hein. J'ai 6 full restore, donc 6 guérisons. Ça devrait pouvoir le faire. En vrai, s'il n'y a pas des objets, des trucs comme ça. Ah, ok. Et non, la musique de l'arène. Ah, ouais, d'accord. En fait, on pouvait faire ça. Ok, je passais par derrière. C'est pas grave. Ok. Ok, Rudy. Bon, on va faire cette arène. Est-ce que tu es prêt pour notre match d'arène, Sacha? Nous aurons 3 matchs séparés, 1-1 en fait. Le premier combat sera un combat avec le Pokémon type électrique. Le deuxième avec type plante. Et le troisième, le dernier, si besoin, avec un type eau. Ok, en gros, celui qui réussit 2 matchs sur 3 gagne. Tu es prêt à commencer? Oui. Mince. Attendez. Alors, il veut électrique. Ok, ben. Bon, Pikachu, notre premier combat sera... Attendez. Please place only one Pokémon of the electric type in your party to begin the match. Ok, c'est bon. Non, je pensais qu'il y avait une erreur, mais non. C'est parti, Rudy. Oh, quelle classe. Et tu as un Electek. Ok, et niveau 65. Ça va, les niveaux sont assez corrects. Bon, j'ai la balle lumière, j'ai un avantage. On va faire le tunnel. Je suis plus rapide. Allez, il y a moyen que ça lui fasse de gros dégâts. Et lui, il voulait faire cage éclair. Ok. Dans les anciennes versions, avant la 6ème génération, on pouvait paralyser des Pokémon électriques. Oh, le coup critique. Alors, je crois que Sacha a dû perdre un combat. Ils ont dû faire 1-1, je pense. Waouh, 13 000, c'est gentil, ça. Ok. Non. Voulez-vous forfait? Mais oh. Moi, je déclare pas forfait. Hein. Moi, j'ai mon Pokémon de type plante. Attends. Ah, niveau 55. Peut-être un peu tendu. Hein. Bon, on va essayer. Bon, pire, si on le perd. Que le deuxième match commence. Si on le perd, on a le troisième. Pokémon type eau. Et vu que c'est son Staros, ben... Ok, 60, ça baisse un peu tant mieux. Vu que c'est Staros, c'est peut-être moyen. Oh, Sludge Bomb, c'est cool ça. Alors attendez, on va peut-être faire Substitute. On est plus rapide que lui, ça c'est une bonne chose. Et effet écrasement. Ok. Bon, j'aurais peut-être dû attaquer, c'est pas grave. Allez, on va faire Bomberk. Je pense que ça lui enlève plus de la moitié. Quoi que j'espère. Ouais, tranquille. Empoisonné? Non. Ok, il fait reflet. Bon, c'est pas très grave. Normalement, si je réussis là... normalement, il est KO. Voilà, c'est battu. Deuxième round terminé. Donc, logiquement, on devrait pas faire le troisième. Mais Sacha a dû en perdre un. En fait, j'ai regardé un petit peu rapidement. Et je me souviens juste du Staros. Donc, vu que Staros est le troisième, j'imagine qu'il a dû en perdre un. Je suis impressionné, Sacha. Tu as gagné. Voilà. On a gagné. Donc, c'est Pikoki, il me semble. Pikoki, le badge Pikoki, ben Pik Spike c'est les pics, Shell c'est la carapace,
Donc pique coquille, ça correspond. Still, même si... Still, may have won. J'ai pu gagner le meilleur prix de tout. Ah oui, ok. Bon, peu importe, en gros, j'ai quand même gagné un bon prix. Bah, la fille, quoi. on va voir la réponse de Ondine. C'est ça, mon offre, en fait. Enfin, en gros, voilà, c'est ça, c'est... Ils s'en fichaient un peu du combat. Bon, nous, en tout cas, on a le troisième. D'ailleurs, je sais pas si je vous avais montré la carte dresseur. Il semblait que Sacha n'était pas comme ça dans le avant. On dirait qu'il a été refait. Et bien stylé. Voilà. Alors, on va voir s'il a la main de Ondine ou pas. Ah, t'es vraiment un gars chanceux, Sacha. You will understand why someday. Tu comprendras un jour pourquoi. Sacha, c'est un super combat. Marie et moi, nous t'avions regardé depuis l'arène. Tu as besoin de ça si tu vas plus loin au nord des îles Oranges. A world puller. J'ai décidé de ne pas rester avec Rudy. Je ne sais pas ce que c'est, mais quelque chose me retient. Je ne sais pas quoi, mais quelque chose m'y retient. Bon, voilà, en fait... On était amoureux, mais bon, elle n'a pas trop envie. Whirlpooler ? Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Un appareil qui permet à l'utilisateur d'éviter les... Ah, d'accord. Les siphons en les traversant en un instant. Oh, c'est cool, ça ! C'est méga cool. Alors, bon. On a notre troisième badge, donc ça, c'est cool. Franchement, je suis bien content. Ah non, j'ai plus de Pokémon pour voler. On va passer par en haut. C'est plus simple. Ah bah elle est partie d'ailleurs, Ondine. Hop, on va passer par là. On ne peut pas passer par là ? Oh, ils exagèrent. Faut que je récupère mon Pokémon. Bon, allez, on va tous les récupérer. Ah oui, bah lui. Braque au feu. Low class. Pikachu. Et Carapuce. Voilà. On va maintenant pouvoir surfer tranquillement. Donc voilà, on a notre troisième badge. Donc ça, c'est cool. Je sais pas si le quatrième est avant le film 2. Je ne suis pas sûr à 100%. Enfin, on verra bien de toute façon. On va juste aller les soigner. On va sauvegarder d'abord. Et puis, on va s'arrêter là. L'épisode est encore court, je suis d'accord avec vous. Mais j'ai pas vu les épisodes d'après. Voilà, j'ai bien fait de sauvegarder. Qu'est-ce que j'ai bien fait. Je sais pas ce qui se passe, mais non, ça veut pas. Ok, bon, eh bien on va s'arrêter là quand même. Hein. Je sais pas, il doit y avoir des petits bugs, c'est un peu dommage. Un petit peu dommage. Bon voilà, j'espère que l'épisode vous a plu quand même. Le prochain épisode sera lundi prochain si tout va bien. On se rapproche un petit peu de la fin de la bêta. Hein. Je vous cache pas que voilà, il n'y a pas grand chose qui a été développé. Voilà, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à laisser vos avis dans les commentaires. Et puis je vous dis donc à lundi prochain pour la suite. C'était Galius. Ciao ciao.